Donc bonjour. Donc aujourd'hui avec Evelyne Lefebvre, donc nous allons vous présenter une petite intervention sur les notions d'interculturalité. Il s'agit pour nous de vous apporter quelques éléments sur cette notion afin de mieux vous aider à préparer votre mobilité à l'international. Donc dans un premier temps, les objectifs principaux, ce sont de vous sensibiliser à cette notion, de vous donner quelques clés de compréhension de ce que ça peut recouvrir et également d'échanger avec vous à travers ce live pour déterminer quelques aspects importants. Alors tout d'abord, on va se présenter parce que c'est important de savoir qui vous parle. Donc je m'appelle Aurélie Braillet, je suis docteur en épistémologie des sciences et histoire des techniques. J'ai aussi un diplôme en patrimoine culturel et je suis actuellement responsable de la mobilité internationale pour l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Je n'ai pas eu personnellement, à titre individuel, l'expérience que vous allez avoir avec votre mobilité à l'étranger. Par contre, j'ai été confrontée à des cultures étrangères et à cette pratique concrète de l'interculturalité à travers mes recherches. En ayant effectué plusieurs séjours de recherche au Canada et au Japon. Et j'ai également eu la possibilité de coordonner des projets internationaux et européens qui m'ont donné aussi un certain goût et une certaine connaissance de la complexité de l'échange avec l'autre en général. Et enfin, Je me permets une de de vous mes interrompre. Je dernières. crois qu'il faut que vous vous rapprochiez du micro. Les gens ne vous entendent pas très bien. Ah, très bien. Ah oui, ça résonne un peu. Un des derniers aspects de ma pratique de l'interculturalité au quotidien a été l'accompagnement d'étudiants Erasmus Mundus pendant plusieurs années, qui a été très très riche d'enseignements sur les pratiques d'échange. Bonjour à tous. Evelyne Lefebvre, je suis enseignante tout d'abord, c'est mon premier métier, et aussi chargée de mission relations internationales à l'IUT de Rouen, qui fait partie de l'Université Jean Monnet. Alors depuis 2008, en fait, j'occupe ce poste, mais avant ça, et ce pourquoi j'occupe ce poste, j'ai fait des études anglophones, et je suis très vite partie à l'étranger. Après 2 ans d'études, je suis partie un an, ma première vraie expérience internationale, un an aux États-Unis, où j'ai vécu dans une famille américaine, où j'ai pu découvrir cette culture. Et puis, un peu plus tard, je suis repartie parce que la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle pour vous, c'est que si vous envisagez votre première mobilité, il y a de grandes chances que ne ce soit pas la dernière. Donc, après un an aux États-Unis, rentrée en France, repartie très vite, 9 ans, en Nouvelle-Zélande, où je me suis installée un petit moment, où j'ai exercé en tant qu'enseignante, mais aussi en tant que responsable de l'Alliance française, où j'ai pu travailler avec de multiples cultures, parce que la Nouvelle-Zélande est très multiculturelle. Donc, on est dans l'Asie-Pacifique, avec pas mal de gens qui viennent de Corée, du Japon, mais aussi toute la culture polynésienne qui vient alimenter ça. Beaucoup de Sud-Africains qui viennent trouver refuge en Nouvelle-Zélande, et puis toute l'Inde, le Pakistan, etc. Donc très riche, et puis pas mal d'exilés aussi, des migrants comme on a aujourd'hui, qui venaient principalement d'Afrique. Donc une société très multiculturelle, et puis retour en France. Toujours le goût de l'interculturel, de l'international, et j'ai eu la chance d'obtenir ce poste où je continue en fait à pratiquer et à vivre l'international au quotidien et où j'ai la chance d'accompagner des étudiants dans leurs projets. Et je pense que c'est formidable que vous ayez fait ce choix aujourd'hui de vouloir partir parce que c'est une vraie découverte à la fois de l'autre et de soi. Et ça nous change vraiment, ça change vraiment les gens. Aujourd'hui, vous n'êtes pas celui que vous serez ou celle que vous serez à votre retour. Beaucoup de choses vont changer et ce sera bien. Ce sera bien, quelle que soit l'expérience que vous allez vivre. Donc, l'international, c'est pour moi aujourd'hui au niveau professionnel des projets européens menés avec des universités européennes et puis des échanges, échanges de personnel, échanges d'étudiants. Donc aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager un petit peu de graines de culture avec vous pour que vous puissiez partir avec un petit peu dans votre valise pour vous aider à vivre bien votre mobilité.
Alors voilà, pour commencer à semer ces petites graines, on va aborder avec vous ces fameuses compétences interculturelles. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler des compétences interculturelles. On l'entend un petit peu à toutes les sauces et on a parfois du mal à définir ce que ça recouvre, qu'est-ce que ça veut dire une compétence interculturelle. En guise de petits préambules, de petits apéritifs, parce qu'il est l'heure du repas, donc on va filer la métaphore. On voulait rentrer dans le vif du sujet avec une courte vidéo qui est une publicité HSBC, pour la banque HSBC, qui a une approche humoristique qui illustre très bien ce que peuvent être des compétences interculturelles. Donc on va vous passer cette petite vidéo. The English believe it's a slur on your host's food if you don't clear your plate. Whereas the Chinese feel you're questioning their generosity if you do. At HSBC, we never underestimate the importance of local knowledge. Which is why we have local banks staffed by local people in over 80 countries across the globe. HSBC, the world's local bank. Voilà, on imagine très bien que des compétences culturelles auraient été très utiles à cet homme d'affaires britannique qui ne semble pas très bien comprendre ce qui se passe autour de lui en Chine. Il n'arrive pas vraiment à interpréter ce qui se passe. Donc, on va aborder aujourd'hui plusieurs aspects de cette notion d'interculturalité avec plusieurs objectifs. Tout d'abord, comprendre développer des compétences culturelles ou interculturelles, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça serait connaître à fond toutes les cultures ou plein de cultures différentes dans le monde ? Est-ce que ça serait connaître les coutumes, les façons de faire dans tous les pays ? Alors certes, ça serait passionnant, mais c'est quand même peu réaliste, peu réalisable. Et finalement, cette compétence interculturelle, ce serait développer une sensibilité culturelle qui vous permette d'être à l'aise, d'interagir, d'agir, de communiquer de manière adéquate avec les autres, avec des personnes qui viennent d'une autre culture que la vôtre. Et cet atelier va avoir pour but, à travers différents temps forts, d'appréhender cette notion, de l'appréhender pour mieux vous permettre de préparer votre mobilité. Donc, tout d'abord, il s'agira de décrypter la notion de culture, de mieux comprendre ce qu'elle recouvre. Puis ensuite, nous allons ensemble détecter, décoder les manifestations de ces cultures, donc de la diversité culturelle, pour enfin cibler ensemble des moyens de développer votre sensibilité culturelle. Alors, qu'est-ce que la culture ? Alors c'est un concept extrêmement large, c'est une notion très vague même d'une certaine manière pour beaucoup d'entre nous. Et on se rend bien compte dans le cas de notre homme d'affaires britannique qu'on a vu juste avant dans la publicité HSBC que finalement ça recouvre beaucoup de choses. Que par exemple les comportements de table, les règles de bienséance autour d'un repas où on est hôte, sont des éléments culturels qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Ensuite, connaître la culture, c'est tout d'abord connaître sa propre culture. C'est connaître ce qui finalement relève de soi-même, de sa culture, de la culture de son pays. En France, si on revient sur cette vidéo de HSBC sur ce qui se passe en Chine, en France, on nous a toujours appris qu'une des règles de politesse, c'était de finir son assiette, de bien finir son assiette. Et ça signifiait aussi que la nourriture qu'on vous avait servie était bonne. Donc en Chine, visiblement, c'est très, très différent. C'est tout le défi, en fait, de cette approche interculturelle, d'être conscient de sa propre culture. Et on a souvent tendance à penser que
notre culture, elle relève soit de notre propre personnalité, c'est je fais quelque chose parce que c'est ma personnalité, ou à l'inverse, que ce que l'on fait, c'est universel, c'est appliqué partout, c'est applicable partout. Et il est vraiment difficile pour la plupart d'entre nous de cerner ce qu'est ce qui relève de la culture. C'est un peu cette image du poisson rouge que vous voyez à l'écran. Ce poisson rouge, il va avoir du mal à nous expliquer ce qu'est l'eau, parce qu'en fait, il est constamment dans l'eau. Il baigne dans ce milieu qui est l'eau. C'est pareil pour les individus qui baignent au quotidien dans leur culture et qui vont avoir du mal à expliquer finalement ce qui fait partie de leur quotidien, ce qui relève de leur intimité, de leur vécu courant, j'ai envie de dire. Et par exemple, ce petit poisson rouge, si on le sortait de l'eau quelques secondes et qu'on le remettait dans l'eau, là par contre, il serait capable de prendre conscience de ce qu'est l'eau, parce qu'il a eu un manque, parce qu'il a vu quelque chose de différent, il a connu l'air, et il est plus à même de comprendre les différences, de comprendre ses particularités. C'est pareil un petit peu ce qui va vous arriver à vous en tant qu'étudiant quand vous allez partir à l'étranger. Vous allez être sorti de votre culture pour être confronté à une autre, en tout cas en relation avec une autre culture. Et là, vous allez être plus à même de nous dire ce qui relève de votre culture. À titre personnel, quand j'ai voyagé au Japon, j'ai eu... Je peux vous donner un exemple comme ça. J'ai eu à prendre conscience de ma culture de l'hygiène en tant que Française. En France, quand vous prenez une douche, que vous mettez du déodorant et que vous mettez du parfum, vous pensez que vous respectez des codes d'hygiène qui sont ceux qui sont propres un petit peu à tout le monde dans le monde entier. Et en fait, quand vous allez voyager, vous allez vous rendre compte que ces codes d'hygiène sont parfois très différents. Ça peut parfois même très souvent vous mettre mal à l'aise. Si on prend par exemple le cas du Japon, au Japon, on va prendre une douche, mais on va prendre une douche avant de prendre un bain. Et ce bain, en fait, c'est un bain où l'eau est utilisée pour toute la famille ou pour toutes les personnes de l'hôtel. Donc ça, c'est une particularité d'un rapport à l'hygiène et d'un rapport à l'eau qui est très très différent de celui qu'on a en France. Et d'ailleurs, les hôtels et les zones touristiques au Japon n'hésitent pas à mettre en avant des codes, en fait, des explications pour expliquer aux Européens comment on se lave au Japon. Une autre expérience un peu particulière que j'ai pu vivre, c'est l'expérience des chaussons. J'en parlais avec Evelyne tout à l'heure. L'expérience des chaussons au Japon qui relève un peu du non-sens pour des Européens. Donc au Japon, quand vous arrivez quelque part, quand vous arrivez chez des gens ou dans une auberge traditionnelle qu'on appelle un ryokan, vous devez déposer vos chaussures, jusqu'à là tout va bien. Vous prenez des chaussons pour déambuler dans les espaces communs. Après, vous allez parfois avoir des chaussons pour rentrer dans d'autres espaces au sein de la maison. Et vous avez ces fameux chaussons de toilette que vous voyez à l'écran, qui sont souvent dans des couleurs très, très flashy, avec des mots un peu drôles parfois dessus. Et en tant qu'Européen, c'est très très compliqué de penser à chaque fois qu'on déambule dans un espace de changer de chaussons. Donc voilà, c'est la grande risée des Japonais quand vous vous baladez avec les chaussons de toilette au sein de l'espace domestique ou de l'hôtel. Tout ça pour vous dire qu'en fait, ces petits riens du quotidien, finalement, ils semblent faire partie de la culture. Et on aimerait réfléchir avec vous sur cette notion de culture. Qu'est-ce qui relève, selon vous, de la culture? Donc vous pouvez utiliser le chat pour répondre à cette question. On a vu ensemble avec la publicité HSBC que les comportements alimentaires relevaient de la culture. Là, je vous parlais d'expérience autour de la question de l'hygiène. Est-ce que vous, de votre côté, vous imaginez d'autres choses? Je ne sais pas si Evelyne, tu veux apporter un exemple pendant que les étudiants répondent. Alors oui, je peux apporter d'autres exemples. Alors j'ai tiré par exemple un exemple de la culture néo-zélandaise. Alors, la culture néo-zélandaise, c'est une culture qui est biculturelle en fait. Au niveau national, on a au niveau national deux populations officielles. On a les Européens qu'on appelle les Pakeha et les Maoris, donc culture polynésienne. Et la culture Maori est très codifiée aussi. Bon, je reviendrai, je donnerai d'autres exemples. Mais par exemple, il y a des choses qui sont très mal perçues. En Nouvelle-Zélande, vous ne pouvez pas vous asseoir sur une table. C'est ce qu'ils appellent tapo. C'est tabou, en fait. Et c'est aussi quelque chose à intégrer dans sa culture.
Donc on verra au fil de cette présentation pas mal d'exemples, mais finalement, la question aujourd'hui, c'est quoi cette eau qui nous entoure, c'est quoi cette culture qu'on essaie de définir ensemble. On a deux premières réponses sur le chat. Donc, une première personne qui dit les câlins, les embrassades. Quand on dit bonjour, une manière de saluer, encore des relations amicales, familiales, etc. La nourriture également. J'attends davantage de réponses si vous... L'humour. Les fêtes et les traditions. Le vouvoiement. Ah oui, mais déjà, merci. Il y a déjà beaucoup d'éléments qui nous permettent d'avoir des petits exemples de ce que peut être la culture. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse. Tout ce que vous avez répondu correspond à certaines dimensions de la culture. Alors certes, on va avoir beaucoup de définitions de la culture en fonction des domaines, des disciplines. Hein. Les ethnologues, les anthropologues ont des définitions très très construites de la culture. Il y a aussi des approches différentes. On a l'approche essentialiste, l'approche structuraliste, enfin différentes approches de la culture. Mais s'il y a quelque chose qui traverse en fait toutes les définitions, c'est souvent cette analogie avec un iceberg que vous voyez à l'écran, où on voit une partie visible et une partie invisible, une partie submergée, une partie immergée de la culture. Une culture en fait qui fonctionne en deux grandes dimensions. Donc ce qui est à la surface, ce sont les éléments visibles de la culture. Ce sont les dimensions les plus facilement appréhendables, comme l'architecture, la nourriture, ça a été cité, les comportements, l'habillement, le vouvoiement, par exemple, ça a été cité également, la musique. Et ce qui est immergé, la face cachée, finalement, de la culture, c'est ce qui relève plus, par exemple, des valeurs, comme le respect des aînés, l'importance d'une famille élargie, également les questions autour des rôles, quel est le rôle de la femme dans la société, quel est le rôle qu'on peut avoir dans la société en fonction de son âge, également aussi des normes, on parlait tout à l'heure de la table, de s'asseoir ou pas sur la table, des normes aussi qui peuvent être même plus sur la façon de se comporter, de résoudre des conflits, de prendre une décision. Donc tous ces aspects-là sont des éléments de la culture, ils sont constitutifs de la culture. Donc, si je me réfère à ma discipline d'origine, qui est l'histoire des techniques et le patrimoine culturel, on a tendance à évoquer ces questions-là à travers la notion d'artefact et de mentefact. Et on pourrait dire que finalement, la partie visible de la culture, les artefacts, ce sont des créations vivantes, parfois de l'homme. Et les mentefacts, c'est la partie immatérielle, c'est tout ce qui entoure finalement ces objets-là et qui sont pourtant aussi en eux. Et donc la culture, c'est bien ces différents aspects. Voilà, cette eau qui est autour du poisson, finalement, elle est extrêmement complexe, elle est extrêmement riche. Très intéressante à étudier, très intéressante à comprendre, mais parfois très très difficile à appréhender. C'est tout l'enjeu de cette question d'interculturalité, puisque vous allez être confronté à ces aspects culturels très divers. Alors maintenant qu'on a un peu mieux compris ce qu'était la culture, on va revenir en fait sur l'impact que ça a sur nous. Finalement, cette culture, c'est quoi? C'est un cadre de référence, c'est l'eau qui nous entoure. C'est quoi? La culture, c'est en fait des lunettes. C'est les lunettes que l'on porte. Alors, si vous portez des lunettes, vous avez certainement vous avez des lunettes qui sont faites pour votre vue. Elles sont adaptées à vous, à votre vision. Si vous essayez les lunettes de quelqu'un d'autre, ça devient un peu compliqué de voir. On voit les choses un peu déformées. On peut avoir des lunettes de soleil avec des couleurs différentes, etc. Donc la culture, c'est ça, en fait. C'est la paire de lunettes que vous portez aujourd'hui. Donc vous n'avez peut-être qu'une seule paire de lunettes. Donc ça, c'est bien, ça marche bien dans un environnement. Mais quand vous changez d'environnement, c'est bien d'avoir aussi des lunettes de soleil. Et puis, avec l'âge, certains d'entre nous découvriront d'autres types de lunettes. Donc on adapte ces lunettes en fonction de ce qu'on veut voir.
La culture, c'est vraiment ça, en fait. C'est les lunettes que l'on porte et la manière dont on perçoit les choses. Donc ça va très loin, finalement, parce que la culture, c'est... Si, pour reprendre ce que disait Aurélie sur le fait de, ben, vous allez découvrir finalement votre culture en allant à la rencontre d'autres cultures, comme le poisson, il a découvert l'eau en sortant de l'eau. En fait, vous allez vous rendre compte, en étant confronté à d'autres cultures, qu'il y a des choses qui vont vous sembler bizarres, en fait, des choses inhabituelles. Tout d'un coup, il y a des comportements qui vous interpellent. Alors, vous avez cité notamment la façon de se dire bonjour. Donc ça, c'est évidemment très, très important parce que c'est la première entrée en communication avec une autre personne. Et ce qui est attendu en France n'est pas la même chose que ce qui est attendu dans d'autres cultures. Donc la bise, se serrer la main, tout ça, c'est codifié. Et en fait, dès que vous êtes dans une autre culture, que vous rencontrez quelque chose qui ne vous est pas familier, que vous trouvez étrange... Eh bien, ça vous donne des indications sur cette culture, mais ça vous donne aussi surtout des indications sur votre culture. Donc, l'effet miroir inversé, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on on découvre vraiment sa culture en sortant de sa culture. C'est un peu étrange comme concept, quand même, d'être obligé de sortir pour mieux comprendre. Donc, l'individu, en fait, on est bien conscient qu'on parle d'être humain. On est tous des êtres humains sur notre planète. On est tous des poissons dans des eaux différentes. Mais tous des poissons. Et comme les poissons, on partage des choses qui sont universelles. Donc un être humain, quand on le regarde, là je vais reprendre un schéma de Hofstede, on peut le regarder de plein de manières différentes. Et surtout, il faut prendre conscience du fait qu'on peut regarder les choses de plein de manières différentes. Déjà, si vous faites ça, vous êtes dans l'interculturel. C'est la clé, c'est une des clés. Alors, on va repartir de l'être humain. L'être humain, c'est quoi ? C'est d'abord un homme. Alors, un homme, qu'il soit ici ou là, il a des émotions et il ressent un certain nombre de choses. Il vit, il a des besoins qui sont des besoins de nourriture, de relations, etc. Il a des besoins et ces émotions-là, elles sont partagées par tous. Quelle que soit votre culture, ben, vous pleurez, vous êtes joyeux, vous ressentez ces émotions-là. Par contre, après, il y a la culture qui intervient. Et cette culture, elle va influencer qui vous êtes. Donc du coup, à la base, vous êtes la même chose. Vous êtes un homme ou une femme. Et ensuite, vous allez appartenir à un groupe culturel qui va commencer à vous programmer, programmer votre logiciel d'être humain avec des normes, donc des choses qui sont attendues de vous. Des choses, voilà, des comportements qui sont attendus, des références qui vous sont données. Donc tout ça, c'est cette culture qu'on retrouve dans l'iceberg, qu'on vous inculte. Donc déjà, là, vous êtes dans le groupe qui est dans le groupe de la culturelle. Ce groupe culturel, vous partagez du coup le côté humain et puis des normes et des références communes. Et puis après, on n'est pas des clones, on est tous différents, même si on est tous... on peut être tous, même au sein d'un même groupe, on est quand même différents. Et qu'est-ce qui rajoute cette différence-là ? C'est sa personnalité. Et la personnalité, c'est quoi ? C'est son histoire, c'est notre façon d'être, parce que on a un code génétique, on est sur la psychologie, on a plein d'expériences qui nous ont façonnés, qui nous ont construits, qui nous ont changés. Donc on est vraiment, c'est important de comprendre ces différents niveaux, parce qu'on a tous un socle commun et on est tous uniques aussi. Donc ça, dans la culture et dans l'interculturel, il faut aller rechercher notre socle commun. Et toujours partir du principe que nous sommes tous humains à la base, nous avons tous des émotions. Et après, tout le reste, c'est des choses qui nous ont conditionnés. Alors, ça nous conditionne, ces lunettes-là dont on parlait, la culture, notre paire de lunettes, elle va nous conditionner en termes de communication. Alors, l'impact, il est assez insidieux quelquefois, parce qu'on parle de la même chose. Alors, quand on travaille à l'international, notamment sur des projets internationaux, on va, par exemple, parler... On a l'impression, en tous les cas, qu'on parle de la même chose. Par exemple, on va... ici, c'est un bon exemple, on va parler d'un tapis. Simplement, selon les cultures, ce que l'on va mettre derrière et ce que l'on va associer au tapis, ce sera complètement différent. Un tapis, ça peut être quelque chose que j'associe surtout à un élément de décor. C'est de la décoration, point. Ça peut être...
Un tapis, c'est quelque chose qui me rappelle des souvenirs, un voyage en Moyen-Orient, etc. Et ça peut être aussi quelque chose de très fort, c'est peut-être un tapis de prière. Donc ça, la dimension, ce qui se cache derrière un même mot ou une même image, c'est complètement différent. Donc attention, la culture, c'est ça. C'est aller chercher derrière les mots ce qu'on veut vraiment dire. Alors d'autres exemples, une tête rasée, c'est plein de choses aussi. Ça dépend de sa culture, puis de son histoire aussi, forcément. Donc c'est un style, c'est peut-être un soldat, c'est peut-être un survivant des camps de concentration. Voilà. Donc l'interprétation, c'est vraiment ça qui va changer selon notre filtre culturel. Donc c'est la mise en garde finalement, les gestes que l'on fait au quotidien. Alors les Français, on est très très difficile à gérer en termes de communication interculturelle. On utilise énormément de gestes en fait, qui ont des... On transmet de l'info. Et ces gestes, ce ne sont pas des gestes universels en fait. Donc vous le savez, vous l'avez aussi mentionné dans le chat, les gestes, ils ont des significations différentes. Et ils peuvent être interprétés de manière différente. Donc, cette prise de conscience de ce que je fais dans mon bocal, attention, quand je le fais à l'extérieur de mon bocal, c'est pas forcément adapté. Donc, je reprendrai l'idée de s'asseoir sur une table. Voilà, ça peut être adapté dans un certain lieu, dans un autre lieu, ça peut devenir très problématique. Donc, l'exemple des pieds sur la table, en Europe, c'est plutôt cool. On est tranquille, voilà. En Thaïlande, c'est plutôt très, 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 très impoli et très mal perçu. Donc, les comportements à décrypter, ce filtre culturel qui peut paraître assez anodin. Alors, un autre exemple que j'ai tiré d'une vidéo, on vous mettra le lien, de Pellegrino Riccardi. Alors, Pellegrino Riccardi, c'est un spécialiste de la communication interculturelle. Il est très intéressant. Son parcours, il a suivi une éducation plutôt britannique. Il est d'origine italienne et il est marié avec une Norvégienne. Et là, il explique la perception de la forêt avec des situations qui peuvent être un peu cocasses. Où on a un jour, son père, donc italien, vient en Norvège et sa femme, donc la belle-fille, propose au beau-père d'aller faire un tour dans la forêt. Alors, aller faire un tour dans la forêt, quand un Norvégien vous propose ça, pour le Norvégien, c'est quelque chose de super, parce que la forêt, c'est la liberté, c'est l'espace, vraiment la nature, et c'est vraiment quelque chose de beau et d'appréciable. Par contre, vous imaginez qu'un Italien, si vous lui dites « Allez, viens, on va aller se promener dans la forêt », il n'est pas sûr de revenir, en fait. Parce que dans la culture italienne, quand on vous emmène dans la forêt pour faire un tour, c'est certainement pour peut-être vous tuer, en fait. Donc, finalement, attention à ces filtres culturels qui permettent et qui mènent à des interprétations complètement inattendues. Et une autre image que j'aime beaucoup, qui est un bel exemple de cette communication interculturelle, c'est ce dessin humoristique où on a deux femmes, en fait, des représentations donc féminines, une en bikini et une avec une burqa, et la même réflexion. Et c'est là qu'on se dit, attention, la culture, c'est ça aussi. C'est-à-dire une femme dévêtue, c'est quelqu'un qui est soumise à la dictature masculine, finalement, qui lui demande de se dévêtir pour être un objet de désir. Et de la même manière, cette femme à qui on impose d'être complètement vêtue, elle est aussi soumise à cette dictature masculine. Donc, la même perception, mais des situations complètement différentes. Donc, c'est un bel exemple de la culture et de ce filtre qui nous fait interpréter les choses de manière complètement inattendue parfois. Alors, est-ce que à partir de là, à partir de maintenant qu'on sait que la culture, elle s'exprime avec à travers des comportements, à travers des normes, des coutumes, des valeurs, des modes de communication, est-ce qu'à partir de ce moment-là, on peut peut-être essayer de caractériser les personnes à travers ces normes, ces comportements? Est-ce que, par exemple, vous vous sentez capable de nous donner quelques petits éléments dans le chat sur, pour vous, comment caractériser, par exemple, les Italiens? On a pris l'Italie pour rester dans l'Europe. Mais voilà, peut-être que vous pouvez nous donner, voilà, à travers cette vision de qu'est-ce que la culture italienne, qu'est-ce qu'un Italien? Je ne sais pas, par exemple, à travers des modes de communication qui pourraient être spécifiques, ou est-ce que ce sont des gens très expressifs,
ou plutôt réservées? Est-ce que ce sont des personnes qui ont un rapport à la religion particulier, un rapport à la famille? Voilà, qu'est-ce qui vous vient quand on vous demande de caractériser les Italiens? Et aussi toutes les associations que vous faites avec l'italien. Donc là, on parle des comportements, mais plein d'autres choses. En fait, toutes les associations que vous avez naturellement avec l'idée d'être italien. Alors, on a des premières réponses qui arrivent sur le chat. Donc, les Italiens seraient des personnes accueillantes, chaleureuses et proches de leur famille. Une seconde réponse qui nous dit que les Italiens sont des gens plus classe, croyants et qu'ils apportent une grande importance à la nourriture. Ce sont des gens qui sont très centrés sur la famille. Une autre personne nous dit que ce sont des gens qui ont une forte impulsivité. Et qui s'exprime beaucoup avec les mains. La mama italienne est une autre image qui revient pour caractériser les Italiens. Une personne nous dit également que pour elle, ils ont une réputation de séducteurs. Ce sont des personnes qui sont fières d'être italiens. Et enfin, on a une réponse sur la fête de Pâques. Alors, voilà. Une communication forte de façon visuelle, plus qu'auditive. Des gens qui sont proches de leur famille, c'est quelque chose qui revient. Également, le cliché des gros dragueurs semble revenir à plusieurs reprises. Quelqu'un les caractérise aussi par leurs moyens de locomotion, les Vespa, les Fiat 500, etc. Ce sont des personnes qui sont fortes en design. Une autre réponse nous dit que chaque personne est différente d'une région à une autre, mais que la famille reste quand même globalement un élément très important dans la culture italienne. Voilà pour les réponses jusqu'à présent. On a déjà beaucoup, beaucoup de choses là également. Bon, on va vous mettre une petite image qu'on trouve facilement sur Internet pour caractériser les Italiens. Alors, si vous a demandé de faire ce petit jeu, c'était pour un petit préambule, d'une certaine manière, pour aborder la question des stéréotypes, des clichés, des préjugés, de la discrimination. Alors, qu'est-ce qu'un stéréotype? Ben, finalement, un stéréotype, alors vous voyez juste pour l'image que vous avez, qu'on a trouvée sur Internet, elle reprend quand même pas mal de choses de ce que vous avez pu dire, à savoir la présence de la mama, l'importance de la nourriture et notamment des pâtes. Voilà, pas mal de choses qui reviennent généralement. Mais alors, voilà, qu'est-ce qu'un stéréotype? Ben finalement, les stéréotypes, c'est un peu ce qu'on vient de faire là ensemble à l'instant. C'est essayer de donner à voir des idées reçues, hein, des images un peu toutes faites, figées. Alors, il y a des stéréotypes qui sont à la fois négatifs, d'autres, certains sont positifs. Ils s'appliquent la plupart du temps à des personnes ou à des groupes. Alors, donc on a parlé des Italiens qui étaient proches de leur famille ou de leur mama. Ça peut être aussi les Asiatiques sont travailleurs, les Africains sont superstitieux, les Français boivent du vin à chaque repas, des choses comme ça. Un préjugé, c'est davantage un jugement. On est déjà plus dans le jugement, un jugement prématuré qui se base sur la méconnaissance de l'autre. Avec une attitude la plupart du temps défavorable à l'égard de la personne qu'on est en train de juger, de préjuger, tout est dans le mot déjà, généralement en lien avec leur question des appartenances, une appartenance religieuse, une appartenance à un statut socio-économique, une appartenance ethnique. Donc là, on va par exemple estimer que des Africains ne seront jamais à l'heure au travail, on va considérer qu'une femme... Employer une femme va forcément provoquer des complications au travail puisqu'elle va prendre des jours pour garder ses enfants. Voilà, là on est sur du préjugé.
Et puis finalement, quand on a une généralisation de ces préjugés et de ces stéréotypes, ça peut conduire à la discrimination. Alors, stéréotypes et préjugés causent des discriminations et ça passe par ce qu'on appelle le biais implicite. Le biais implicite, c'est une association d'idées, une croyance, une attitude souvent inconsciente, la plupart du temps inconsciente, envers un groupe ou une personne, et ça va avoir un impact, ça va avoir une action. On est déjà en train d'acter quelque chose, puisque par ce biais implicite, on va peut-être être poussé à considérer la personne différemment, à lui apporter notre aide ou ne pas lui apporter notre aide, et parfois avoir une attitude propre à lui faire du mal, par exemple. C'est par ce biais implicite que finalement les stéréotypes et les préjugés peuvent conduire à de la discrimination. Une discrimination, c'est déjà un acte, hein, c'est un comportement, c'est quelque chose, c'est une réalité, c'est concret, qui est un acte d'exclusion, c'est un acte qui a une vocation inégalitaire, c'est prendre l'autre de manière différente et ne voir que cette différente. Et en France particulièrement, c'est puni par la loi quand cette discrimination impacte ou empêche l'accès à des services, à l'emploi ou à l'éducation. Donc cette dimension de la discrimination est extrêmement forte et extrêmement importante à prendre en compte, puisqu'on sait aujourd'hui que les personnes impactées, les personnes concernées par des actes de discrimination ont finalement un comportement et un ressenti qui va évoluer tout au long de leur vie, et ça va parfois briser leur vie ou en tout cas avoir une action sur leur comportement à eux, sur leur relation, leur intégration dans la société. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fort. Vous voyez, on peut partir d'un stéréotype un peu amusant et ça peut conduire à des actes et à des attitudes qui vont avoir un impact sur la vie des autres. À titre illustratif, j'aimerais vous parler de l'expérience de l'écrivaine nigérienne Chimamanda Ngozi Adichie. Alors, j'en profite publiquement pour remercier Sylvain et Simona de m'avoir fait découvrir cette pépite. C'est vraiment extraordinaire. Je vous conseille fortement la lecture de l'ouvrage Americana ou alors d'écouter l'intégralité de la conférence de Chimamanda, qu'on va vous passer simplement un extrait là maintenant. Donc Chimamanda, c'est une femme nigérienne d'une famille aisée, cultivée, et qui a toujours voulu être écrivaine, qui a travaillé dur dans son pays pour pouvoir devenir écrivaine, qui a lu énormément d'ouvrages très présents dans les bibliothèques de son pays, et qui sont essentiellement des ouvrages britanniques. Donc ça va forger sa personnalité. Et elle va partir aux États-Unis. Alors, elle va faire un peu l'expérience que vous allez faire, vous. Elle part en fait de sa famille. Elle se confronte à une autre culture. Elle part aux États-Unis. Elle part étudier aux États-Unis. Et elle vous raconte dans l'extrait qu'on va vous diffuser, finalement, différents niveaux et enchevêtrements de préjugés. Tout ce qui est préjugés et stéréotypes qu'elle a pu croiser au cours de sa vie jusqu'à son arrivée aux États-Unis. I'm a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. And they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria, I had never been outside Nigeria. We didn't have snow, we ate mangoes, and we never talked about the weather because there was no need to.
My characters also drank a lot of ginger beer because the characters in the British books I read drank ginger beer. Never mind that I had no idea what ginger beer was. And for many years afterwards, I would have a desperate desire to taste ginger beer. But that is another story. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books, but because of writers like Chinua Achebe and Kamara Laye, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination, they opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature. So what the discovery of African writers did for me was this: it saved me from having a single story of what books are. I come from a conventional middle-class Nigerian family. My father was a professor. My mother was an administrator. And so we had, as was the norm, living domestic help who would often come from nearby rural villages. So the year I turned 8, we got a new houseboy. His name was Fide. The only thing my mother told us about him was that his family was very poor. My mother sent yams and rice and our old clothes to his family. And when I didn't finish my dinner, my mother would say, "Finish your food. Don't you know people like Fide's family have nothing?" So I felt enormous pity for Fide's family. Then one Saturday, we went to his village to visit. And his mother showed us a beautifully patterned basket made of dyed raffia that his brother had made. I was startled. It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something. All I had heard about them was how poor they were, so that it had become impossible for me to see them as anything else but poor. Their poverty was my single story of them. Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university in the United States. I was 19. My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. She assumed that I did not know how to use a stove. What struck me was this: she had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me as an African was a kind of patronizing, well-meaning pity. My roommate had a single story of Africa, a single story of catastrophe. In this single story, there was no possibility of Africans being similar to her in any way, no possibility of feelings more complex than pity, no possibility of a connection as human equals. I must say that before I went to the US, I didn't consciously identify as African. But in the US, whenever Africa came up, people turned to me, never mind that I knew nothing about places like Namibia. But I did come to embrace this new identity, and in many ways, I think of myself now as African, although I still get quite irritable when Africa is referred to as a country, the most recent example being my otherwise wonderful flight from Lagos 2 days ago, in which there was an announcement on the Virgin flight about their charity walk in India, Africa, and other countries. So after I had spent some years in the U.S., alors voilà, ce petit extrait pour vous donner un avant-goût. On vous conseille de fortement regarder la fin de cette vidéo. Ce qui est très intéressant à mon sens, c'est que Chimamanda, elle aborde tellement de différents niveaux de préjugés et de généralisations
et de stéréotypes, ce qui vous permet de voir à quel point c'est important et c'est imprégné en nous, aussi bien dans notre vision de l'autre étranger que parfois notre vision de nos proches, des personnes qui nous entourent, des personnes de niveaux sociaux différents au sein de notre société. Donc voilà, c'est vraiment une très très grande ouverture. Dans tout son ouvrage et dans toute sa conférence, elle aborde ces dimensions-là. Donc c'est très intéressant d'étudier un peu plus à fond si ce sujet vous intéresse. Donc maintenant, on va aller un peu plus loin sur la diversité culturelle, finalement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? On a compris que ces cultures, elles sont différentes, elles imprègnent beaucoup de choses, elles conditionnent beaucoup de choses, nos perceptions, notre manière d'être, etc. Et du coup, on va partir, vous allez partir, et est-ce qu'on a quelques clés, au moins, pour nous aider à mieux appréhender ces différences. Donc là, c'est la partie un peu plus théorique de la diversité culturelle qu'on va aborder maintenant. Et on va se donner des outils. Alors attention, les outils, c'est comme tout. Ils servent, mais ils ne sont pas uniques. Il y en a beaucoup d'autres. Et il faut aussi les utiliser avec précaution. Donc on l'a vu, le stéréotype existe. Et le stéréotype, il vient de quoi, finalement ? Il vient de la théorie du moindre effort. En fait, c'est beaucoup plus simple d'avoir une histoire, déjà, un package tout fait pour dire telle personne, elle est comme ça parce qu'elle vient d'Afrique. Telle personne, elle est comme ça parce qu'il est français. Ça, c'est plus facile, en fait, parce que on a un package, c'est tout fait, clé en main. Ça ne demande pas de réfléchir. Donc, c'est un peu ça, le problème du stéréotype, c'est que c'est tellement facile à appliquer. Donc, si on veut essayer de décrypter ce qui se passe quand on est en interaction et qu'on veut essayer de voir finalement quelles sont ces différences qui vont faire qu'un être humain va se comporter de manière différente, on peut se tourner vers des outils comme ceux de Hofstede et Minkoff qui ont été développés. Alors, Hofstede, c'est un chercheur, un sociologue qui vient des Pays-Bas. Il a travaillé pour IBM et quand il travaillait pour IBM, il se rendait compte que la coopération internationale poser certains problèmes. Et du coup, il s'est un peu penché là-dessus. Il a essayé de voir, finalement, quels étaient les aspects qui étaient vraiment différents entre les cultures et où, justement, cette différence arrivait à poser des conflits. Alors, il a développé un outil, la théorie des dimensions, qui regroupe six dimensions. Donc, il a identifié six facteurs de dissonance, de fonctionnement au sein de culture. Et à travers ces facteurs-là, donc, on est sur des curseurs. Et pour lui, ces six facteurs sont des facteurs qui vont être très différents d'une culture à l'autre. Alors, on va essayer de voir ensemble rapidement ce dont il s'agit, juste pour vous donner quelques clés. Et puis, si vous êtes intéressés, vous irez chercher plus loin. Alors, un des premiers aspects, c'est la distance hiérarchique. L'idée derrière, c'est dans la société, dans le groupe dans lequel on évolue, jusqu'à quel point est-ce que les personnes acceptent le fait que d'autres personnes puissent être traitées différemment, puissent avoir plus de pouvoir que d'autres. Donc, on est sur l'acceptation ou non, plus ou moins forte, de cette hiérarchie. Vous nous avez dit tout à l'heure, dans la culture, on a quelque chose qu'on peut identifier comme étant culturel, c'est l'usage du « vous ». Typiquement, la société française est plutôt une société hiérarchisée. Alors, ça vient de notre histoire, bien sûr. Il y a plein de facteurs qui expliquent le fait qu'on soit hiérarchique. Et ça se traduit comment ? Déjà par la langue, effectivement. On va avoir un « vous » qu'on va utiliser dans certaines circonstances, et puis un « tu ». On s'adresse à un supérieur, quelqu'un qu'on ne connaît pas. On va mettre cette distance et qu'on va marquer linguistiquement par le « vous ». Mais un enfant, on va lui dire « tu ». Et tout ça, c'est de la hiérarchie. Donc ça impacte notre mode de fonctionnement. Ça impacte notre mode de fonctionnement quand on est en train d'interagir avec des personnes d'autres dans un milieu professionnel, par exemple. Quand on est en France, les titres sont importants. Monsieur le directeur. Alors, en Nouvelle-Zélande, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes très, très différentes, et dont des PDG de grands consortiums qui voulaient apprendre le français. Et moi et puis leurs employés, on les appelait par leur prénom, en fait.
Donc là, on est sur une approche très plate, très horizontale des rapports humains. Donc ça va se retranscrire d'un plein d'aspects, plein de manières différentes en fait dans la société. Est-ce que si j'ai un problème, je dois m'adresser forcément à mon N plus 1 qui va retranscrire à mon N plus 2, etc. Ou est-ce que je peux directement aller vers le PDG? Donc, quand on est sur des sociétés du Nouveau Monde, typiquement Amérique, Australie, États-Unis, on est plutôt sur ce mode de fonctionnement-là. On est sur un fonctionnement qui est égalitaire, où on se traite de la même manière. On voit la personne en tant que telle. Et dans les sociétés plus européennes, on est sur des sociétés qui sont issues de la monarchie, souvent. On accepte qu'il y ait des privilèges, qu'on soit traité différemment parce qu'on est issu d'un cadre de référence différent. Donc, peut-être qu'Aurélie va rajouter des choses sur des exemples liés à la distance hiérarchique et comment ça peut se retranscrire, notamment avec le Japon. Je pense que c'est pas mal. Oui, alors, juste sur un tout petit exemple sur le Japon. On n'est pas censé donner d'importance aux personnes qui sont là pour le nettoyage ou les actes quotidiens de rangement. Et c'est quelque chose qui n'est pas culturellement facile à assumer en tant que Française. Donc quand vous êtes à l'étranger et que vous êtes très très bien accueillie par une personne qui est celle qui porte les valises, mais qui va vous donner plein de conseils, plein de tuyaux pour visiter la ville. Avant de partir, vous avez peut-être envie parfois de faire une photo avec toute l'équipe parce qu'ils sont très sympas, ils ont tous été adorables. Le fait d'avoir mis sur la photo à la fois une personne qui s'occupe de l'accueil et donc qui était une hôtesse un peu reconnue et la personne qui portait les bagages, j'ai réussi à créer un petit choc auprès des personnes qui m'accueillaient, parce que ça ne se faisait pas du tout. Alors, ils sont très polissés, donc ils ne sont pas... J'ai senti des regards à ce moment-là, que de mettre toutes ces personnes-là sur la même photo, ce n'était pas une bonne idée. Mais voilà, j'y suis allée avec des gros sabots de Françaises. Et en face, je sais que la personne qui portait les bagages s'est largement fait engueuler parce qu'elle n'avait pas accepté d'être sur la photo. Mais c'est le genre de petites choses comme ça, où, sur des tout petits détails où on n'imagine pas qu'on va provoquer un mal-être et un positionnement comme ça. Alors, un autre exemple, en Chine, un dîner officiel dans un restaurant, parce que ça se fait au restaurant. Et bien là, on arrive à table, c'est très officiel, il y a beaucoup de discours. Et à table, on a le PDG en face, et puis la personne après le PDG. Mais après, on va décliner jusqu'au chauffeur qui sera à table et qui mangera avec tout le monde. Donc on est sur des postures, des environnements, des contextes complètement différents. Là, tout le monde est autour de la table. On n'est pas traité de manière égale, mais on est tous ensemble aussi. Donc, des différences. Donc, la distance hiérarchique, c'est un facteur qui peut être différent selon les pays où vous allez passer un peu de temps. Ensuite, on a des dimensions d'individualisme et de collectivisme. Alors, l'individualisme et le collectivisme, c'est jusqu'à quel point on met en avant la réussite individuelle par rapport à la réussite du collectif. Pour revenir sur la Chine, typiquement, on est sur une société très collective, où l'individu, il va travailler pour le collectif avant tout, et pas pour lui. On n'est pas sur la réussite et la mise en avant de la réussite personnelle. Et du coup, si vous êtes sur ce type de société, il est très malvenu d'aller faire une exception et de remercier en particulier une personne dans le groupe parce que ça va la mettre en avant et la mettre très à mal. Et c'est un peu l'exemple aussi qu'on peut retrouver sur des fonctionnements par rapport à l'idée de droit d'auteur, par exemple. On associe souvent la Chine au pays de la contrefaçon. Donc, on peut le constater, c'est une donnée. Mais finalement, si on se pose un peu la question de savoir pourquoi, c'est parce qu'un individu a développé quelque chose de bien. En Europe, on trouve normal de protéger ce droit d'auteur parce que cet individu, c'est le créateur et on lui doit reconnaissance et il doit tirer bénéfice, recevoir les fruits de cette création. En Chine, un individu a créé quelque chose de bien et c'est bien pour le groupe avant tout. Et c'est pas important que ce soit lui, c'est surtout bien que le groupe en bénéficie et que le plus grand nombre puisse bénéficier de ça, d'où la contrefaçon.
C'est une bonne idée, c'est super, du coup on la développe pour tous. Donc deux approches différentes, je ne sais pas laquelle est le mieux, puisque dans la culture, c'est des modes de fonctionnement qui peuvent se justifier si on prend le prisme culturel dont il émane. Donc voilà, un mode de fonctionnement qui peut aussi quelquefois surprendre. Tu as d'autres exemples, Aurélie, ou... Donc on va passer. Alors, sur les valeurs masculines et féminines, on a des pays qui vont promouvoir de manière culturelle et sociétale des valeurs plutôt à tendance masculine. Donc là, on rejoint un peu l'idée d'individualisme, où on va retrouver des valeurs qui sont tournées sur l'individu, la compétition, l'ambition, etc. Donc là, on va avoir ces valeurs-là qui sont mises en avant au quotidien. Et puis, on a des pays qui ont des valeurs plus féminines, où on va mettre en avant surtout la qualité de vie, les relations et l'harmonie. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi concrètement? Alors, quand on est dans des pays où les rôles hommes-femmes sont strictement définis, c'est-à-dire que l'homme, il a ce rôle-là dans la société et il fait ça, la femme, elle est ici et elle fait ça, et on n'a pas trop de... C'est très marqué. Là, on est surtout sur des pays à valeur masculine. Les rôles sont très tranchés. On a des pays à valeur féminine plus dans l'Europe du Nord, où on va avoir des valeurs de qualité de vie et puis de prendre soin les uns des autres. Donc, on est vraiment sur cette dimension-là. Donc, les valeurs masculines et féminines, un pays ou une société va plutôt adopter telle tendance ou telle autre tendance. On n'est pas. Alors attention, hein, on est sur des outils et des graduations. Donc on reviendra là-dessus, mais on est plus ou moins. On tend vers plus ou moins vers l'individualisme, on tend plus ou moins vers la distance hiérarchique, etc. Ensuite, un autre facteur, une autre dimension, des choses qui sont aussi différentes d'une société à l'autre, c'est la tolérance à l'incertitude. Alors c'est quoi? On est là sur la prise de risque. C'est est-ce que, en tant que société, on aime prendre des risques ou pas? Et comment on le perçoit? Alors en France, typiquement, qu'est-ce qu'on a? On est très connu pour notre administration. Et l'administration, elle est très prégnante chez nous. Dès qu'on veut faire quelque chose, il va y avoir beaucoup de papiers, beaucoup de démarches. Voilà, on va avoir du contrat, on va avoir de la négociation, on va tout mettre par écrit. Parce qu'on a une tolérance à l'incertitude qui est finalement très faible. La prise de risque, c'est pas nous, en fait. On aime bien la prise de risque, mais très contrôlée. Et du coup, ça va conditionner ce mode de fonctionnement. Si vous êtes entrepreneur dans un pays comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, où la prise de risque, ça ne fait pas peur, c'est intégré dans la culture et c'est même plutôt valorisé, eh bien, vous montez une entreprise en l'espace de quelques heures. En France, c'est beaucoup plus long. Une banque va vous demander des garanties, va vous demander une hypothèque, etc. Donc ça, c'est aussi un facteur sociétal, c'est-à-dire cette perception de ce risque et comment on le gère au niveau de la société. Exemple ? Pas spécifiquement sur la tolérance. Si ce n'est qu'effectivement, les exemples que tu donnes sont très pertinents. Après, la culture du risque, elle peut aller même jusqu'à l'appréhension et l'acceptation du risque naturel. Et là, typiquement sur le Japon, on est sur une approche très particulière où on a admis que les tremblements de terre faisaient partie du quotidien, les éruptions volcaniques aussi. Et donc, ça donne une société très particulière, qui a prévu beaucoup de choses, qui anticipe beaucoup de choses, mais qui accepte aussi une forme de fatalité. Et ça, c'est pas pareil, ce rapport à la fatalité, à l'incertitude. On va pas l'avoir de la même manière dans tous les pays. Alors, en corrélation et en appui à cette perception de la tolérance et du risque, on a l'orientation à court ou long terme. Alors, c'est quoi? De manière très schématique, une orientation à court terme, c'est un pays qui va être plutôt tourné vers la tradition, les coutumes. Et on va plutôt être un petit peu réfractaire au changement. On est vraiment sur le présent et le passé. Le passé est un véritable socle et on est ancré. Donc on est sur du court terme. Le temps, il est le temps immédiat et il se repose sur ce qu'on fait depuis toujours. Un pays qui est orienté plutôt à long terme, c'est un pays qui va être sur la vision du futur et que les choses que l'on fait maintenant, on les fait aussi pour le futur. Donc qui a intégré la notion de changement et d'évolution et qui la valorise. Alors ça se traduit comment? Un exemple,
Alors après avoir passé plusieurs années en Nouvelle-Zélande, je suis revenue en France avec un choc culturel, bien sûr. On en reparlera du choc culturel. En Nouvelle-Zélande, on est plutôt axé sur le futur. Et quand vous arrivez avec des nouvelles idées, la première chose qu'on vous dit, c'est « give it a go ». Allez-y, essaye. Vas-y, c'est bien. On ne sait pas, on verra ce que ça va donner, mais il faut y aller. En France, vous arrivez avec des idées nouvelles, et ça, c'était un choc très dur pour moi. C'est que dès que j'arrivais avec une nouvelle idée, la première chose qu'on me disait, mais ça ne va pas être possible. Ok, et pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais fait ça. Ok. Et je vous assure que ça, c'est assez violent, en fait. Donc voilà, parce qu'en fait, on est sur du culturel. On est sur un pays, Nouvelle-Zélande, avec une prise de risque. Pas de problème pour la prise de risque. On est sur le long terme, on va voir. On est tourné vers le futur et puis on intègre des changements. Et là, en France, on est plus sur la tradition, puis le changement qui fait peur et qu'il faut contrôler et qui nous menace. Donc, une réaction complètement différente au quotidien. Voilà. C'est juste surprenant quand on revient et qu'on peut rencontrer ces différences culturelles. Et pour finir, la perception du plaisir ou de la modération. Alors, c'est quoi ? C'est jusqu'à quel point on tolère que les gens dans la société se fassent plaisir et puis expriment leurs émotions. La manière dont on retranscrit ces émotions et qu'on les exprime est très culturelle. Alors, en France, on est plutôt indulgent. Le rapport à l'alcool, les rapports adultères même, qui sont au sein du gouvernement, ça passe. Un peu moins maintenant, mais c'est quand même une culture où on accepte pas mal de choses, finalement. Contrairement à des cultures beaucoup plus puritaines, c'est un jugement de valeur, mais beaucoup plus, où on va contrôler beaucoup plus l'individu et lui imposer beaucoup de choses pour avoir un mode de fonctionnement très codifié et très arrêté, et où on va demander une maîtrise des émotions et du comportement qui peut aller très très loin de manière culturelle. Je pense que le Japon peut être un bon exemple du contrôle que l'on doit exercer sur soi-même. Par rapport à l'expression justement de ces émotions. Oui, il y a un contrôle des émotions en permanence et beaucoup de non-dits, forcément, liés à ça. Ça va même plus loin, ça va avoir une empreinte physique et même vestimentaire, c'est-à-dire que chacun sa place et même les vêtements choisis sont là à partir d'un certain âge pour ne plus exprimer quoi que ce soit. Vous pouvez savoir l'âge de la japonaise que vous avez en face de vous en fonction du type de vêtements et de la couleur des vêtements qu'elle porte. Il y a des boutiques spécialisées en fonction des âges avec uniquement monocouleurs. C'est très, très étrange pour nous. Mais une jeune femme d'une trentaine d'années au Japon doit être mariée, avoir des enfants, avoir arrêté sa carrière, ne pas exprimer ses sentiments et donc a souvent des couleurs, enfin ces fameuses couleurs un peu beige qui expriment quand même aussi de la douceur et qui elle peut pas exprimer autre chose, elle peut pas exprimer de la colère et à ce moment-là elle se met au banc de la société, en tout cas elle est hors norme à ce moment-là. Donc c'est encore autre chose effectivement. Donc tout ça, Ofsted a regardé a identifié ces différentes dimensions qui peuvent donner des indications. Alors attention, on vient de parler du stéréotype. Donc on va parler très rapidement des critiques de Ofsted. Mais en tous les cas, ça peut être déjà un bon début pour rentrer un petit peu dans la culture dans laquelle vous allez baigner. Alors Ofsted est décédé maintenant, mais son institution marche toujours. Vous avez accès sur Internet à un site qui s'appelle Ofsted Insights. Donc si vous rentrez Dimension Ofsted, vous devriez le trouver dans vos moteurs de recherche. Et cet outil est assez intéressant parce que vous pouvez rentrer les pays que vous voulez comparer, pour comparer les modes de fonctionnement. Donc là, je me suis amusée à rentrer la France, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Et on voit les différences, où elles s'expriment, où on est les positionnements très marqués, et puis d'autres où on est plutôt sur des choses assez similaires. Donc si on regarde la prise de risque, par exemple, on voit que le Japon et la France, sur la prise de risque, c'est un peu compliqué, mais pour la Nouvelle-Zélande, ça pose beaucoup moins de problèmes. Voilà. Donc ce sont des indications. Et comme toute indication et comme tout outil, il faut faire attention.
Oui, effectivement, c'est des indicateurs qui sont intéressants parce qu'ils vous permettent de faire peut-être des focus un petit peu sur des points de vigilance, j'ai envie de dire. Des points de vigilance où là, potentiellement, il va y avoir des différences, des petits frottements un petit peu entre nos cultures. Mais là où il y a eu énormément de critiques sur ce travail-là, sur ces dimensions-là, c'est dans l'approche essentiellement nationale. On identifie un groupe à une nation et sa culture est décrite à travers la dimension uniquement nationale, sans tenir compte en fait de tout ce qui peut être différent à l'intérieur même d'une société. Typiquement, la culture, et on le voit apparaître de plus en plus avec beaucoup de revendications féministes actuellement, mais la culture de genre, il y a une différence peut-être d'appréhension de la culture en France quand on est une femme ou quand on est un homme, quand on vient d'un milieu ouvrier ou quand on vient d'un milieu, on va dire, un peu plus aisé. Quand on est lié à une religion ou qu'on est laïque, tout ça en fait que ça va aussi vous définir et ça va mettre à mal un petit peu ces théories-là. En tout cas, ça va les nuancer. Et c'est cette nuance qui est importante. Il y a aussi deux aspects qui ne sont pas vus dans ces dimensions présentées précédemment. C'est l'évolution au fil du temps. On a l'impression que c'est immuable, que finalement le rapport hiérarchique ne peut pas évoluer, alors qu'on sait très bien que dans le temps et à certaines périodes dans nos sociétés, il y a eu des évolutions. Et également, il n'y a pas de place à la résistance aux normes, la résistance aux normes sociales que peuvent exercer certains groupes ou certaines générations. Donc voilà, c'est un petit peu ça, apporter intéressant, mais apporter de la nuance si ces théories-là vous intéressent. Alors, pour continuer avec un deuxième théoricien de la diversité culturelle, un pilier aussi, Edward T. Hall, qui est un anthropologue et qui a lui aussi travaillé avec différentes cultures et qui a identifié aussi des facteurs, des dimensions qui peuvent varier d'une culture à l'autre et qu'on va visiter très rapidement avec quelques exemples. Donc, pour Edward T. Hall, on a deux types de cultures. On a ce qu'il appelle les cultures à faible contexte et les cultures à haut contexte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une culture à faible contexte, c'est une culture où la communication, elle est très claire et très directe. On va expliquer en détail et très clairement ce qu'on attend, le message que l'on envoie, il est clair, on n'a pas à lire entre les lignes. Typiquement, ça, c'est un mode de communication qu'on retrouve avec les Allemands, les Britanniques, les pays scandinaves. On vous dit directement ce qu'on a à vous dire. Et c'est la norme. En France, on est plutôt sur une culture à haut contexte. Alors, c'est quoi ? C'est une culture où il faut savoir lire entre les lignes et deviner ce qui se cache derrière. On n'est pas sur un mode d'expression direct où on ne va pas forcément dire directement et de manière très abrupte pour nous, en tant que Français, perçu comme abrupte, ce que l'on pense ou son évaluation d'une situation. Tout ça va passer par de la nuance. En France, on fait comprendre. On ne dit pas. Et ça va passer par de l'implicite, ça va passer par le ton, la manière dont je vais dire oui. C'est un oui-oui ou c'est un oui-mais ou un oui-non. Et on est quand même sur une communication qui est très difficile à décoder pour des Scandinaves et des gens qui n'ont pas les codes pour décoder finalement ce que l'on veut dire. Quand vous êtes invité chez des Français, à un moment donné, il va y avoir des signaux et vous allez comprendre qu'il est le temps de partir. Et ça, si vous n'êtes pas Français, bah vous passez à côté. Donc c'est compliqué en fait d'être en France si on n'est pas Français. Toutes ces cultures... Donc les cultures françaises, c'est une culture à haut contexte, mais bien sûr les cultures asiatiques, africaines, arabes sont des cultures à très haut contexte. Et c'est compliqué quelquefois de décoder. En Chine, on ne vous dira jamais non. On vous fera comprendre. Mais si vous êtes français, eh bien c'est difficile quand même de comprendre, même si on essaye de vous faire comprendre parce que vous n'avez pas le bon décodeur. Donc voilà, on est sur des cultures à haut contexte où c'est compliqué. Et j'aime beaucoup cette citation de Hockling qui parle du fait que les Français penseront que les Américains pensent qu'ils sont stupides, parce que les Français, ils interprètent forcément, parce que c'est leur mode de communication, parce que ben, les Américains, ils expliquent tout de long en large et en travers. En France, on a tendance à donner des indications assez pas très précises finalement, parce que ça doit suffire.
on doit être capable d'interpréter. On attend de l'autre qu'il vienne demander des éclaircissements, qu'il vienne, si quelque chose n'est pas clair, qu'il vienne nous solliciter. Aux États-Unis, on va vous expliquer très clairement ce qui est attendu. Ce sera assez long, mais ce sera très complet. Donc, c'est une démarche où, dans une culture à haut contexte, on attend de vous que vous sachiez décoder les signaux et adapter votre posture en fonction de ce qui se passe, de ce que vous constatez, et puis que vous fassiez les démarches pour aller chercher de l'info. Dans une culture à faible contexte, ça n'existe même pas. Ce qui est dit et clair. Donc, pas de choses entre les lignes. Ensuite, un aspect assez intéressant et très qui nous touche beaucoup dès qu'on travaille en mode projet en fait à l'international, c'est la perception du temps. La perception du temps, elle n'est pas unique et universelle. Alors vous avez des cultures qui sont plutôt monochroniques, mais vous pouvez aussi faire penser aussi à des gens qui sont plutôt monochroniques. C'est quoi ? C'est la perception du temps. La perception du temps est linéaire. Le temps, c'est une ligne. Il a une valeur et il faut faire en sorte de bien l'exploiter. Comme c'est une ligne, on va faire les choses dans l'ordre. On va faire une chose et puis une autre. Donc quand on va s'organiser, on va avoir une planification. D'abord on fait ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Et c'est ce qu'on va faire. Donc là on est sur une seule tâche à la fois et on avance. Et le temps, c'est important, donc on va être efficace. Dans une culture polychronique, le temps, c'est un élément, mais ce n'est pas l'élément central. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas forcément toujours à se focaliser sur la tâche. On n'a pas, selon nos critères de monochronique, on n'est pas efficace dans ce sens-là, en termes d'exploitation du temps. On va être sur des cultures où le temps, c'est une chose, mais ce qui est important, c'est la relation. La relation est beaucoup plus importante que le temps. Et je vais construire des choses avec cette relation. Quand je vais m'organiser, je vais pouvoir faire du multitâche. Je vais passer d'une tâche à une autre. Les interruptions, ça ne pose pas de problème. On peut passer du coq à l'âne dans une réunion. Alors, si on parle des réunions, justement, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe entre ces cultures polychroniques et monochroniques et puis les autres dimensions dont on a parlé. Et ça peut être assez déstabilisant. Vous pouvez arriver en tant que... Alors, vous arrivez en Finlande, impensable de ne pas arriver à l'heure. La ponctualité, c'est essentiel. Donc, c'est 8h, à 8h, vous êtes là. Chez les Allemands, pareil, etc. En France, on a une petite tolérance. 8h, 8h10, c'est à peu près la même chose. Alors, ça dépend du contexte, bien sûr, puisqu'on a une culture à haut contexte. On va aussi moduler en fonction de l'importance du rendez-vous. Mais en tous les cas, il y a une certaine tolérance. Ensuite, la manière dont on attaque la réunion. Culture faible contexte, monochronique. On s'assied, on va par bonjour, on va parler de ça, ça, ça. Et on y va et on travaille. Ok, maintenant on va se déplacer. On va se déplacer vers le Maghreb, vers les pays arabes, l'Afrique, qui n'est pas un pays. Et qu'est-ce qui va se passer ? Là, le temps, eh ben, c'est une autre notion, ce n'est pas la nôtre. Et du coup, on va avoir une réunion, donc c'est fixé à telle heure, en gros, c'est tel jour. Donc ça peut commencer à n'importe quel moment en fait. Vous pouvez arriver, ça commence à 10h, vous arrivez là, vous êtes tout seul. Et vous dites, mais il n'y a pas de réunion. Si, il y a une réunion. Et les gens vont arriver au fil de l'eau, ils vont repartir au fil de l'eau. Quand vous rentrez en réunion avec le Maroc, c'est un pays que j'adore, et j'ai eu la chance de travailler avec des gens du Maroc. Quand on rentre en relation, quand on rentre dans une réunion, quand on commence à travailler ensemble, on va déjà s'inquiéter de l'autre, de la relation. Comment ça va ? La famille ? Les amis, tout va bien dans la vie, avant de pouvoir commencer à travailler après. Mais l'importance, c'est d'abord la relation qu'on construit. Et ça conditionne pas mal de choses. En Chine, on va aussi être sur le relationnel, travailler son relationnel. Alors de manière un peu différente, sur, sur des cultures un peu marocaines, des choses comme ça, on peut rentrer très vite dans la sphère privée. En France, attention, on ne parle pas de la famille quand on est en milieu professionnel. Il y a des sujets tabous, la famille, l'argent, etc. Dans d'autres cultures, ce n'est pas le cas. Donc, on peut être assez surpris quand on arrive dans une réunion où les gens arrivent et repartent, où on parle d'une chose, d'une autre, où on parle surtout de beaucoup de choses, mais pas de ce pourquoi on est venu au départ. Mais en fait, tout ça, c'est le socle qui va permettre aux choses d'avancer après. Et la manière dont le projet va se dérouler dans ces cultures qui sont différentes
va vraiment être conditionnée par la relation qu'on a su nouer. Si la relation est forte, on va être traité en priorité. Mais en France, on est un peu comme ça aussi. Donc, on a cette culture de la relation ou du pragmatisme absolu. On est efficace et puis il y a deux choses, il y a la sphère publique-privée et on avance. Donc, cette perception-là, elle change et il faut s'adapter. En Afrique, il y a un proverbe qui dit, c'est même pas un proverbe, c'est une réflexion par rapport aux Blancs qui disent « vous avez une montre, mais vous n'avez jamais le temps, les Blancs ». Et je trouve ça très joli, en fait. C'est prendre le temps d'être ensemble et de travailler ensemble. Et le temps, ce n'est pas important. Ça bouleverse un peu notre schéma. Ensuite, un dernier aspect, parce qu'il y en a plein, on pourrait citer plein de choses, mais la proxémie. Donc la proxémie, c'est un mot qui veut dire l'espace, en fait. La notion d'espace. Alors vous savez que quand on est dans une culture, la notion d'espace, elle est très variable. Mais en fait, on est toujours... sur un schéma qui se transpose d'une culture à une autre, mais où les cercles vont être plus ou moins éloignés. Donc, on a, en tant qu'individu, un espace que l'on considère l'espace intime, dans lequel peu de personnes peuvent rentrer, finalement, dans notre espace intime. C'est un peu comme une bulle autour de nous. Ensuite, on a l'espace public, donc quand on est en interaction avec quelqu'un, comme là on est en interaction, on a une zone de confort qui veut dire que l'espace attendu et approprié, il est d'environ 1 mètre, 80 cm et ça va. Et puis après on a la zone publique large où on est en interaction, comme là on peut l'être dans un cours, etc. La distance attendue entre un orateur et puis son public. Donc, en fait, cette distance, elle va vraiment varier. Et du coup, c'est pareil. Où vous allez vous asseoir, la proximité avec la personne avec vous est dictée par ces codes culturels. Ici, vous avez l'exemple, deux exemples, parce qu'ils sont assez opposés. Le premier, ça se passe en Finlande, à un arrêt de bus. Et on voit que l'espace personnel en Finlande, il est très large. C'est au moins 3-4 mètres à un arrêt de bus. Si on va un peu plus près, on commence à être pas très confortable. Et par contre, en Inde, l'espace personnel, il est finalement très faible. Là, on est dans une zone d'espace personnel. Et ça pose pas de problème. Vous avez des cultures où il est absolument interdit de toucher l'autre. Impossible de prendre la main, de toucher le bras, etc. D'autres cultures qui sont plus méditerranéennes dans le sud, où on va être plutôt très proche de vous. Et que très vite, des gens vont vous prendre la main, vous prendre le bras, et ça peut être surprenant aussi. Mais on est sur les codes. C'est ce qui est acceptable, ce que je peux faire, la distance à respecter, et puis la notion de toucher l'autre ou pas, très très importante dans une société. Tu voudrais rajouter quelque chose à ce sujet, Aurélie ? Non, ça serait juste des exemples complémentaires. C'est vrai que pour avoir vécu certaines réunions, certains projets au Maroc avec des Marocains, quand on n'est pas préparé ou quand on est avec des collègues qui ne sont pas préparés, se faire ces embrassades où on est pris dans les bras peut être emmené par la main au sens fixe, enfin vrai quoi, c'est-à-dire on vous prend vraiment par la main physiquement. Ça peut être parfois déstabilisant pour certaines personnes qui ne sont pas préparées. De la même manière, en Italie, on parlait tout à l'heure du côté chaleureux. Effectivement, quelqu'un qui vous apprécie beaucoup en Italie, il vous prend dans les bras. Il vous prend dans les bras, mais littéralement aussi. Là. Et pour des personnes qui n'ont pas ces codes-là, ça peut être très déstabilisant parce qu'on est dans un contexte professionnel et que dans le contexte professionnel, on ne touche pas le collègue. Donc voilà, on peut avoir des petits couacs comme ça qui peuvent arriver, des petits couacs culturels. On n'est pas forcément sur du choc, mais on est sur du couac. Au Japon, on va avoir un rapport pareil au respect de la distance avec l'autre et de l'inclinaison aussi, de la façon dont on salue. C'est pas une société où on se touche au Japon aussi, c'est très très particulier. Donc là également, c'est des questions intéressantes qui sont abordées parce que, en tout cas, elles sont là pour éveiller votre curiosité. Quand vous allez partir en déplacement, quand vous allez arriver dans l'autre culture, regardez ce qui se passe. Ça vous donnera des codes aussi, ça vous permettra de les comprendre. Alors, juste pour illustrer brièvement cette idée de proxémie, I have a friend who works at the Metropolitan Museum of Art. How'd you like a behind-the-scenes tour? Really? You could do that? Easily.
It wouldn't be any trouble? Of course not. When could we go? How about right now? I'm ready. Are you sure? Yes. Okay, let me get my coat. Elaine, what do you say? Well, I don't think so, Aaron. I have plans. Oh. How about you, Jerry? I'm sorry. You sure? You can examine the artwork up close. Maybe I'll try and catch up with you. Donc ici, on est vraiment sur de l'humour lié à l'espace, donc l'intrusion dans l'espace intime qui pose problème. Donc pour conclure cette partie-là, des clés. Voilà, donc en fait, comme le disait Evelyne, on a abordé des aspects un peu plus théoriques sur cette partie qui nous permettent de mieux cerner ce qui peut être l'interculturalité. C'est davantage un ensemble finalement de processus psychologiques, psychiques, relationnels, groupaux, institutionnels, qui sont générés par des interactions de culture, donc j'insiste sur la notion d'interaction, dans un rapport d'échange, là aussi, réciproque, c'est des mots qui sont importants, dans une perspective de sauvegarde d'une relative identité culturelle des partenaires en relation. C'est-à-dire qu'on est à la fois ni dans la confrontation négative, je veux l'anéantissement de l'autre, je veux que ma culture soit meilleure, hein, on va dire ça simplement, et on n'est pas non plus dans la dilution, dans le relativisme absolu, comme quoi l'autre culture serait forcément plus importante, plus intéressante et plus pertinente que la mienne, parce que autre. Donc voilà, vous êtes plutôt dans un rapport d'échange. Alors on est plutôt dans une dimension d'échange, une approche de co-construction. Je crois qu'on reviendra sur cette expression plus tard. Et bien garder en tête que tout ce qu'on vous a... On a commencé par vous dire qu'il fallait semer des graines et qu'il fallait les voir pousser. On est un peu sur un chemin, là, un processus, un chemin, l'interculturalité. L'approche interculturelle, c'est un chemin long. Avec des étapes, avec des échecs, avec des petits couacs, comme on disait, voire même des chocs. Mais en tout cas, c'est un chemin, c'est un cheminement à faire avec effectivement ces étapes qui peuvent être réussites si vous prenez en compte cette fameuse analyse des contextes. Je crois que quelle que soit la méthode employée, les outils employés, vous avez vu que cette question des contextes, elle est extrêmement forte et pertinente. C'est comprendre ce qui se passe autour de moi et comprendre ce qui se passe autour de l'autre. Donc c'est cette prise en compte du contexte qui est très importante. Alors, à partir de là, on a vu des clés. Mais comment on fait ? Parce qu'on peut avoir la théorie et puis en pratique, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Donc, l'observation, c'est la première chose. Effectivement, là, on voit et s'adapter. Donc, des personnes de cultures différentes s'adaptent ici à un contexte qui est particulier et culturel. Donc, au Japon, voilà, on va saluer comme ça et on s'adapte. En Nouvelle-Zélande, ici, on a un exemple d'entrée en relation, enfin de salut, mais très officiel et très fort en fait chez les Maoris qui le rongi. Et c'est assez surprenant quand on n'a pas l'habitude. Front et nez collés. Et ça, c'est vraiment très fort en fait dans la culture maori et très important. C'est vraiment montrer le respect et l'entrée en relation avec la personne. Et puis en France, on est bien sûr connu pour la bise. Et nos pauvres partenaires anglo-saxons ont un petit peu du mal quelquefois à s'adapter. Et ça nous fait sourire. Alors, on est sur l'idée de cheminement, effectivement, quand on est sur le développement de ces compétences interculturelles. On va partir de notre bocal. Et on va aller vers d'autres bocales, ou une mer, en fait. On peut aller nager dans la mer. Donc Milton Bennett, c'est un chercheur aussi qui a développé un modèle pour finalement montrer ce développement de la sensibilité interculturelle. Et il est très simple, ce schéma, si on reprend ce dont on a parlé jusqu'à présent. Une personne qui va aller développer cette compétence interculturelle va faire ce cheminement. Donc, on va partir de son ethnocentrisme où là, il est dans son bocal. Il ne sait même pas que c'est un bocal. Il ne sait même pas qu'il est dans son eau. Et puis, petit à petit, il va aller vers l'ethno-relativisme. L'ethnocentrisme, c'est quoi ? C'est on est dans notre culture et on ne voit les choses qu'à travers notre culture parce que c'est la seule chose que l'on connaisse. Donc, c'est notre norme, c'est notre talon, c'est notre référence et c'est ce qui nous sert à juger et à évaluer ce que l'on voit. Et après, quand on développe ces compétences interculturelles, qu'on découvre d'autres cultures, d'autres logiques, d'autres manières de fonctionner, d'autres,
d'autres réflexions, d'autres manières de percevoir le monde. Là, on va aller de plus en plus vers l'ethno-relativisme, où on va comprendre que finalement, la manière dont on perçoit les choses, c'est une façon de voir les choses. Mais qu'il y en a d'autres, et qu'on peut comprendre d'autres logiques, d'autres manières de fonctionner, et d'autres modalités, finalement, de réaction, de perception d'événements auxquels on est confronté. Alors, on voulait quand même aborder avec vous un autre aspect un peu plus pratique et pragmatique, qui est le choc culturel. Parce qu'en fait, cette question du cheminement, j'en ai un petit peu évoqué tout à l'heure, il y a parfois des embûches sur ce chemin. Et ça a été bien étudié, par un chercheur qui s'appelle Karl Kalervo-Oberg, qui a essayé de créer un diagramme pour présenter finalement les différents éléments, les différentes phases d'un choc culturel. Alors quand vous faites votre chemin vers une autre culture, vous avez toujours un peu le même cheminement, le même parcours, le même processus. Donc, Kalervo-Oberg évoque la question du choc culturel. Il l'a défini de cette manière-là. C'est une expérience de stress et de désorientation vécue par la personne devant apprendre à vivre dans une nouvelle culture. Ça se comprend assez bien. On a vu que la culture, en fait, c'était votre eau autour de vous. Ce sont tous ces petits aspects de votre vie quotidienne qui vont vous donner des normes, des choses. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez quand est-ce qu'il faut serrer la main, vous savez quand est-ce qu'on fait la bise, vous savez si on vous voit, si on tutoie. Vous avez tous ces codes. Et quand vous partez dans un autre bain, dans une autre eau, vous allez vous retrouver face à un milieu inconnu. Et ce milieu inconnu, il va falloir apprendre les codes, il va falloir découvrir quels sont ces fameux gestes anodins qui vont être si importants pour votre intégration, ou en tout cas votre bien-être dans cette nouvelle société. Et les phases qui ont été définies par Oberg sont en fait une phase de lune de miel. Alors la lune de miel, c'est quand vous arrivez dans le pays, vous êtes tellement content de partir en voyage. Alors là, en plus, après l'épisode Covid, je pense que vous êtes encore plus content de découvrir autre chose. Donc vous arrivez dans ce pays, vous trouvez ça merveilleux, tout est différent, nouveau, intéressant, beau, bon aussi au niveau gustatif, vous allez découvrir plein de choses. Et puis il y a une phase en fait où finalement, soit parce que votre pays vous manque, soit parce que vous comprenez pas les codes, vous savez pas finalement, vous faites des erreurs, vous comprenez pas ce qui se passe autour de vous. Et là on rentre dans une phase de choc culturel, où une partie émotionnelle où vous allez être confronté au sens de confrontation avec l'autre. Et là vous allez attaquer un chemin d'interculturalité. Ce chemin d'interculturalité, donc de prise en compte des contextes, il va plus ou moins bien se passer. Alors, soit vous allez vers l'intégration, c'est-à-dire finalement vous comprenez les codes et vous intégrez pleinement, soit vous allez dans une phase de rejet. Et ça arrive assez souvent que des personnes n'arrivent pas à appréhender les codes culturels d'une autre culture. On a même spécifiquement pour le Japon, alors vous allez croire que je suis obsédée par le Japon, mais c'est une société que j'apprécie beaucoup et que j'ai appris à connaître. Les Japonais qui viennent en France ont une telle image de Paris, par exemple, une telle image de la France, qu'on a créé même un nom d'un syndrome, c'est le syndrome de Paris, pour les Japonais. Quand ils arrivent à Paris, ils arrivent avec une image de ville romantique, de ville accueillante, de Français chaleureux, qui sentent bon le parfum, et qui mangent très très bien, et qui vont parler avec beaucoup d'élégance. Et ils sont confrontés à une réalité du métro parisien, de certaines odeurs, d'une société pas forcément accueillante, ou en tout cas avec elle aussi des préjugés et des a priori et des stéréotypes sur les Japonais, que certains font des vrais chocs plus que culturels. Là, on est sur une dimension psychologique et psychiatrique très forte, et il y a des services spécialisés à Paris pour les accueillir et faire, les aider à surmonter ce choc-là. Donc ça peut aller très très loin, un choc culturel. Ça peut avoir des dimensions psychologiques importantes. Donc ce choc culturel, finalement, il existe, mais il est à appréhender en fonction des outils qu'on vous a donnés, en fonction de votre vécu aussi, de votre expérience que vous allez faire sur place. On parle aussi désormais de choc culturel inversé. À l'inverse, là, c'est quand vous rentrez dans votre pays d'origine, où vous redécouvrez des codes que vous aviez oubliés ou qui finalement vous semblent moins pertinents que ce que vous avez vécu auparavant. Là, je pense qu'Evelyne pourra donner de meilleurs exemples que moi, mais ça existe aussi. Donc voilà, on voulait évoquer avec vous ces dimensions-là parce que c'est des choses pour lesquelles vous allez être confrontés et c'est des choses normales en fait. C'est un processus normal. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. C'est tout à fait normal quand on arrive dans une autre culture
de se poser des questions et de pas forcément être à l'aise tout de suite. Je sais pas si tu veux ajouter un exemple sur ton retour au pays. Alors, mon retour au pays était très compliqué. Pendant 6 mois, j'ai déprimé. Et puis après, je me suis dit, peut-être que je vais pas rester, que ça va plus être possible. Bon, après, je suis encore là, donc ça s'est plutôt bien fini. Mais effectivement, ces codes, réintégrer ces codes, ces modes de fonctionnement, ça a été compliqué. J'ai donné l'exemple de, ben non, ça va pas être possible. Un autre exemple, alors celui-ci plus léger, mais je mesurais pas à quel point dire bonjour et faire la bise, c'était important. Et c'est extraordinaire en France quand même, parce que alors c'est un code culturel et maintenant il est intégré à nouveau, réintégré. Mais en fait, en Nouvelle-Zélande, on arrive, on dit hello, hi, et puis on va s'asseoir et puis on fait pas forcément le tour de tout le monde. Et c'est pas grave, on va se croiser dans la journée, on va se dire bonjour et on peut se dire hi toute la journée d'ailleurs si on recroise des gens. Et voilà, et ça pose pas de problème. Et en France, si vous arrivez et que vous n'allez pas dire bonjour à tout le monde, eh bien, moi, je me suis rendu compte, et ça, j'avais perdu ce sens culturel, que c'était très mal vécu, en fait. Donc ça, c'est assez intéressant du point de vue culturel inversé. Donc ça, notamment. Et puis, j'ai aussi, et j'ai encore, en fait, beaucoup de mal à intégrer la partie très distance hiérarchique française. Alors, ça vient certainement du fait que j'ai passé mes premières années professionnelles dans un milieu plutôt américain, néo-zélandais, où on était plutôt sur des rapports horizontaux. Et c'est vrai que pour moi, j'ai beaucoup de mal à faire, alors surtout à l'université, parce que je trouve ça c'est intéressant à l'université. On vous demande toujours quel est votre statut, et pour moi, ça me paraît très extraordinaire en fait, toujours. Alors, c'est une phase de la culture néo-zélandaise que j'ai dû intégrer parce que pour moi, c'est pas ce qui est important. Alors, bien sûr, hein, je dis pas que les diplômes, tout ça, ça sert à rien. Au contraire, c'est très, très important et bien sûr, un titre, ça a une signification. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est la personne. Et ces codes-là, j'ai quelquefois, ils me surprennent en fait. Alors j'ai pas du mal avec, hein, ça, c'est ma culture, mais ils me surprennent toujours. Je me trouve toujours surprise par ces réflexions-là quelquefois. Et puis le vouvoiement aussi, qui pour moi est très fluctuant selon les personnes. Et qui me dit beaucoup de choses finalement sur la manière dont la personne se positionne et son rapport à la hiérarchie et au titre et à ses symboles. Qui font que dans une société, on est reconnu ou pas. Donc ça, c'est assez intéressant. Et en tous les cas, ce choc culturel, c'est bien de le vivre. Parce que c'est comme tout, c'est comme dans toutes les crises, toutes les choses qui sont difficiles. Et ben, ce choc culturel, c'est ce qui vous apprend vraiment beaucoup de choses. Parce que si c'est simple, c'est que ça ne pose pas de problème, donc on n'apprend rien. Donc il faut toujours être positif par rapport au choc culturel. Et puis, ce n'est pas grave. Et oui, effectivement, comme ce choc culturel fait partie du processus hein, de l'approche interculturelle et puis de toute relation, finalement, de quel type qu'elle soit, c'est une dimension qui a été fortement analysée avec notamment la méthode des chocs culturels proposée par Marguerite Cohen-Emerick, qui, alors si vous voyez le schéma sur l'écran, en fait, ce qui est important de retenir, c'est que quand vous allez avoir ce choc, c'est-à-dire ce moment d'incompréhension, finalement, de perte de repère. Vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans un moment où vous ne comprenez pas, où vous êtes, vous avez un ressenti, en fait, une émotion qui naît en vous parce qu'il y a une incompréhension, parce qu'il y a une inadaptation. Et cette émotion-là, c'est cette partie-là, c'est à ce moment-là où ça doit être un système d'alerte pour vous dire, oui, je suis en train de vivre un choc, au sens de... Ça provoque quelque chose en moi. Et c'est à partir de là qu'il faut engager une approche de compréhension de l'autre, une approche d'analyse finalement. On va vous demander, pour avoir une démarche interculturelle, d'analyser ce qui se passe autour de vous, ce que vous ressentez, ce que l'autre est en face de vous, et de prendre ce fameux recul qui va vous permettre d'appréhender cette dimension, ce choc, de manière à ce qu'il soit positif, hein, d'aller vers le positif. Parce que cette émotion, si vous l'emmagasinez en vous, si vous revenez, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport aux stéréotypes et aux préjugés, on a finalement une dimension, vous allez avoir un recul négatif et vous allez forcément essayer de trouver des justifications
pour pouvoir analyser ce qui vous arrive, puisque c'est humain en fait, hein, l'individu essaye d'analyser ce qui se passe, de comprendre. Et à ce moment-là, le plus simple, parce qu'on va aller vers la simplification, quand on ne comprend pas, eh ben, on va prendre une explication extrêmement simple et on va aller vers le stéréotype, vers le cliché, vers ces dimensions-là qui vont vous permettre, vous rassurer d'une certaine manière, parce que ça ne sera pas votre faute, ça sera simplement parce que ça se passe comme ça, parce que c'est un fait, et il n'y a aucune interrelation, aucune évolution possible. Donc finalement, cette méthode des chocs culturels qui est proposée et qui est affichée sur l'écran, elle vous donne un petit peu des clés pour essayer d'analyser vos chocs culturels, quels qu'ils soient, en prenant du recul, en prenant en compte l'émotion qui est nécessaire, mais en allant dans une démarche qui va de la compréhension, de l'analyse des contextes, de l'analyse qu'est-ce qui se passe autour de moi, sans forcément aller vers une simplification, parce que la nature, par essence, n'est jamais simple, vers une simplification qui va vous conduire vers le stéréotype, voire le préjugé et la discrimination. Alors, pour conclure de manière très simple cet aspect communication interculturelle, une phrase qui résume tout. Replace fear of the unknown with curiosity. Remplacer la peur de l'inconnu avec de la curiosité. Voilà, ça demande. C'est un chemin, mais c'est le chemin à suivre sur l'interculturel. Alors, maintenant, vous allez partir. Enfin, j'espère que vous allez toujours partir, d'ailleurs. Donc, ça veut dire quoi? Vous engagez sur une démarche, vous engagez sur une découverte. Beaucoup de choses vous attendent, des surprises, bonnes, mauvaises, vous en ferez ce que vous voudrez, mais vous intégrerez un certain nombre de choses au cours de cette mobilité. Et puis, vous allez revenir, ou pas, mais revenir, on va partir du principe que vous allez revenir. Et vous allez pouvoir mettre sur votre CV le fait que vous avez des compétences interculturelles. Alors, ça fait bien sur un CV. Mais finalement, si on vous demande... Pour vous, c'est quoi les compétences interculturelles? Pour un employeur en France, ça veut dire quoi? Comment je traduis ça au quotidien dans un monde professionnel? Eh bien, on va vous apporter quelques éléments de réponse par rapport à ces compétences interculturelles et ce qu'elles peuvent vous permettre de faire au sein d'une entreprise en France ou d'un organisme ou d'une organisation en France, sachant que nous, on a beaucoup parlé aujourd'hui de la culture au sens international. Mais on reviendra là-dessus. La culture, c'est d'abord la personne en face de qui on est. Et chaque personne a une dimension culturelle qui n'est pas simplement liée à sa nationalité, mais à beaucoup d'autres choses. Donc, compétences interculturelles, quand vous revenez, voilà les quelques pistes sur des choses que vous pouvez mettre en avant et par rapport à cette expérience à l'étranger, ce qu'elle vous a apporté. Tout d'abord, vous allez être déjà de meilleurs. Vous allez avoir une connaissance plus forte de la culture dans laquelle vous aurez évolué. Donc les préférences, les normes, etc., les modes de fonctionnement, ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc déjà une compétence plus affirmée dans votre capacité à gérer des relations avec des membres de ce groupe. Ensuite, parce que vous êtes parti à l'étranger, vous avez démontré une certaine curiosité et ouverture d'esprit. Parce qu'il a fallu que vous vous adaptiez à l'étranger. Donc, vous avez été obligé, finalement, pour pouvoir survivre, vous avez été obligé d'essayer de comprendre l'autre et de comprendre l'autre sur plein de choses, sur son mode de fonctionnement, sur sa manière de s'exprimer. Vous avez appris à essayer de vous mettre à sa place et de voir comment il vous percevait. Donc vous avez déployé finalement plein de compétences et notamment vous avez fait preuve d'ouverture d'esprit. Vous n'êtes pas resté figé dans votre culture à appliquer votre jugement culturel. Vous avez essayé de comprendre et d'intégrer votre logique. Du coup, ça vous apporte aussi des clés pour mieux évaluer finalement les situations de communication dans lesquelles vous vous trouvez au quotidien dans votre pays. Parce que vous avez été entraîné, vous avez un cours intensif de décodage de la communication parce que vous avez été dans un pays où les codes n'étaient pas les mêmes. Donc du coup, vous repérez très vite finalement les signaux qu'on vous envoie. Et ça vous donne une réelle compétence pour décrypter ça.
Vous pouvez lire les signaux visuels qu'on vous envoie, si quelqu'un a les jambes croisées tout de suite ou refermées, un ton, la manière d'exprimer les choses, parce qu'en fait, quand vous êtes à l'international, que vous maîtrisez un peu moins bien la langue, vous allez vous raccrocher sur ces signaux. C'est ces signaux que vous allez chercher. Donc toute cette communication non verbale et paraverbale, elle est primordiale quand vous arrivez dans un bain culturel différent. Donc là, vous développez vraiment vos capacités à décoder ces choses-là. Parce qu'il faut vous raccrocher à ça dans un premier temps. Vous n'avez que ça, en fait, au départ. Du coup, quand vous revenez, ben, vous avez toujours ces compétences que vous exercez de manière naturelle, finalement. Vous évaluez très vite la situation de communication et vous êtes très vite en capacité à adapter, selon le contexte que vous identifiez très vite, ce qu'il faut faire. Vous avez une meilleure connaissance de vous. Donc ça veut dire que vous êtes plus à même de comprendre vos mécanismes, ce qui vous met en difficulté, et aussi les signaux que vous pouvez projeter, les impressions que vous pouvez faire, parce que vous avez appris dans un monde qui n'avait pas les mêmes codes que vous, à adapter votre comportement et votre fonctionnement au code du contexte. Et du coup, ça, on le fait à l'international, mais on peut aussi le faire plus facilement dès qu'on revient à la maison. Et du coup, vous commencez à travers cette expérience interculturelle, donc vous allez vivre à plus ou moins long terme, vous allez apprendre finalement à co-construire des modalités de communication. Ça veut dire quoi ? Vous allez vraiment prendre en compte l'autre pour savoir et comprendre comment il communique, sa logique, pour pouvoir communiquer avec lui, mais vraiment au sens de communiquer. C'est-à-dire que vraiment comprendre le message qu'il vous envoie et aussi vous faire en sorte que le message que vous envoyez soit clair pour cet interlocuteur. Et du coup, ces modalités de communication, elles sont co-construites. Je vais faire comprendre des choses, mais je ne vais pas utiliser les codes que j'utilise dans mon pays, mon grade. Je vais devoir expliciter un certain nombre de choses sur qui je suis et de manière claire. La communication que vous allez pouvoir construire avec l'autre, elle va être une communication de dialogue et d'empathie. Et vous allez plus facilement vous transposer dans l'univers de l'autre et essayer de regarder le monde avec ses lunettes. Et du coup, de comprendre pourquoi il pense ça, pourquoi il a cette logique, d'où il vient, et prendre en compte cette dimension-là. Ça ne veut pas dire vous oubliez vous, mais ça veut dire que vous pouvez mettre plusieurs lunettes, en fait, et regarder les choses de différentes manières. Et ça, c'est une vraie force, de pouvoir mieux comprendre, d'avoir de l'empathie et d'être, du coup, à l'aise dans cette coopération où vous vous sentirez moins menacé quand vous rentrez dans des situations où la communication ne va plus marcher. Alors, quand la communication ne fonctionne plus, c'est qu'il y a une menace, généralement, c'est parce qu'on ne se comprend pas. Et du coup, avec l'interculturel, vous allez essayer d'aller au-delà de cette barrière et d'aller explorer. Mais pourquoi on ne se comprend plus, en fait ? Au lieu de rester au pied du mur et de pleurer à côté du mur. Donc, vous allez toujours essayer d'aller comprendre et analyser. Et c'est parce que ça, vous l'avez fait pendant toute cette durée de mobilité. Vous essayez de comprendre l'autre et pourquoi ça ne fonctionnait pas. Mais pourquoi ça pose problème quand je fais ça, en fait ? Mais quelle est sa logique et comment est-ce qu'il me perçoit ? Et quel est le problème pour que ça pose problème, en fait ? Et donc, vous rentrez dans cette dynamique. Dans cette dynamique qui vous veut que, vous allez expérimenter, vous allez tester, parce que quand on est à l'étranger, on fait que tester, expérimenter. Vous allez être sur la prise de risque, parce que vous allez être dans un bain complètement différent. Vous allez être OK sur le fait de, vous exprimer dans une langue que vous maîtrisez plus ou moins bien. Et puis, vous allez donc, pas être en souffrance par rapport à une mise en situation où vous êtes en dehors de votre zone de confort. Donc, la zone de confort, ça ne vous pose aucun problème après pour en sortir. Vous savez que vous avez survécu et vous pouvez vraiment capitaliser sur cette expérience et poursuivre votre apprentissage et cette curiosité que vous allez développer de l'autre à l'international, mais déjà et aussi et surtout de l'autre que vous rencontrez dans votre quotidien aujourd'hui pour comprendre d'où il vient, sa culture, son histoire et pourquoi il est là et nous regarde avec ses yeux-là aujourd'hui et il perçoit le monde de cette façon-là. Oui, je crois que tu as résumé à travers les questions du pourquoi et du comment. Cette notion d'écoute, il faut écouter, il faut être attentif
L'attention à l'autre est extrêmement importante. Et ce que vous allez pouvoir développer à travers cette expérience-là, effectivement, il faut que ça soit enrichissant pour vous aussi à votre retour. Quand on a préparé cette intervention avec Evelyne, on a pas mal discuté aussi du message qu'on voulait vous faire passer. Et on s'est rendu compte quand même que ces compétences-là, effectivement, elles étaient extrêmement importantes au quotidien, dans votre vie de tous les jours, quand vous allez rentrer en France. Donc on vous parle de l'après, vous n'êtes pas encore parti, mais ça peut déjà vous aider, vous donner des pistes pour aujourd'hui. On a souvent des moments d'incompréhension dans nos sociétés, et de plus en plus actuellement, surtout quand certains codes, on a des masques, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont moins visibles et lisibles à travers le virtuel. Mais c'est vrai qu'à travers, en tout cas l'approche interculturelle, savoir accepter que sa propre culture n'est pas universelle, savoir accepter de regarder autour de sa culture et autour de la culture de l'autre, comprendre les contextes des uns et des autres, admettre aussi qu'au sein d'une culture, rien n'est figé, qu'une culture, elle est mouvante, qu'elle est diverse. Tout à l'heure, on vous parlait de l'Italie et des Italiens, il y a une personne qui a dit « c'est très différent d'une région à une autre ». C'est partout pareil, c'est toujours très différent d'une région à une autre, c'est très différent d'un âge à un autre, c'est très différent d'un sexe à un autre. Donc c'est vraiment, voilà, accepter la diversité des cultures, accepter également que l'autre a aussi le droit de parler, et vous aussi, c'est-à-dire les deux. C'est-à-dire que vous avez deux cultures qui sont en co-construction et qui se construisent ensemble et pas forcément en opposition. Voilà. Donc cette notion d'écoute qui nous semble importante. Et puis surtout l'idée qu'il faudrait que vous apprendre à sortir du bocal. On revient sur la métaphore un peu filée du poisson rouge. Là, on vous souhaite un très beau saut hors du bocal pour votre mobilité. Et on espère qu'à travers cette petite intervention, on a pu vous apporter quelques pistes. On vous donne quelques références également sur très très peu de ressources, mais des éléments qui nous ont servi et qui sont facilement consultables, que ce soit en ligne ou dans vos bibliothèques, pour continuer d'aborder ce sujet-là. Donc vous êtes au début d'un cheminement. On vous souhaite un bon voyage, belle expérience, et puis c'est plein de promesses tout ça. Merci. On a une personne qui souhaiterait vous poser une question, qui souhaite savoir, à titre de curiosité, comme elle le dit, ce qui vous a poussé chacune à vouloir découvrir une autre culture. Est-ce que c'était plus pour des projets personnels ou professionnels ? Alors moi, mon approche au départ, elle est professionnelle, c'est dans le cadre de mes recherches. Donc bon, on va rentrer sur du perso quand même malgré tout. Donc j'ai fait des recherches sur l'histoire culinaire à travers les objets ménagers. Et je me suis rendu compte assez rapidement que la perspective d'une société mondialisée où on nous dit que finalement les objets sont produits en série depuis presque 50 ans et que tout le monde a le même micro-ondes, la même machine à laver, la même cocotte minute et le même frigo ou autre, en fait ça tombait très vite à l'eau quand on se confrontait à la réalité des autres pays. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à aller creuser sur quels objets étaient utilisés pour faire certains éléments culinaires dans d'autres sociétés, et que je me suis rendu compte que c'était extrêmement enrichissant de voir que nos sociétés mondialisées, elles se pliaient finalement, elles étaient obligées de se plier face aux résistances culturelles, ou en tout cas aux identités culturelles propres à chaque pays, notamment sur la dimension culinaire. Donc moi c'est ça, c'est mes recherches sur des objets qui étaient finalement très différents et obligés de s'adapter à la société dans laquelle ils allaient être utilisés, qui m'a amenée à aller voir ce qui se passait ailleurs. Donc, sur le terrain personnel, du coup. En fait, toute petite, j'étais intriguée par deux choses. Le fait que des gens puissent s'exprimer dans une autre langue et de manière courante, ça me fascinait. Et je trouvais ça magique. Et puis le fait que des gens sur Terre pouvaient vivre de l'autre côté de la planète, et je me disais qu'ils devaient vivre la tête à l'envers. Et ça, c'était mes images d'enfant. Et à partir de ça, j'étais intriguée. Et en fait, j'ai été portée par le flux de la vie. Tout d'abord, j'ai décidé de faire des études d'anglais, puisque cette langue, je me disais, je l'aimais bien, je voulais la maîtriser, et je me disais que c'était, ce serait quand même magique de pouvoir m'exprimer en anglais de manière courante.
sans avoir la conscience de m'exprimer en langue étrangère. Et puis après, bien sûr, quand on fait des études d'anglais, ben, on va passer un peu de temps à l'étranger. Donc, dans un premier temps, je suis allée aux États-Unis. Alors, j'ai fait l'option de ne pas partir en tant qu'étudiante. Bon, à l'époque, je voulais partir en immersion totale dans une famille, en fait. J'avais besoin d'une coupure. Donc, j'ai fait cette découverte de la culture américaine. Et puis ensuite, voilà, quand je suis revenue, ben, c'était fini, quoi. J'avais pris le virus. J'ai découvert ce que c'était que de vraiment être à l'étranger et d'être finalement différent. Alors c'est assez intéressant, si vous maîtrisez une autre langue, vous avez l'impression d'être une autre personne quand vous vous exprimez dans une autre langue. C'est assez bizarre, vous reprenez des schémas, des codes, des modes de fonctionnement, des modes d'expression qui sont différents. Donc vous cultivez, mais j'ai peut-être un petit côté schizophrène, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup ce côté-là de rencontre à l'autre. Et puis ensuite... finalement, on peut plus s'embasser. Vraiment, c'est pour moi, c'est très important, l'international. Je suis en souffrance là. On n'en parlera pas trop aujourd'hui, mais le fait de pouvoir uniquement collaborer à travers les outils numériques aujourd'hui, à cause de la situation sanitaire, c'est compliqué. Parce que franchement, quand vous êtes dans une autre dimension, vous sortez de votre bocal, ça vous fait tellement du bien, et vous revenez tellement plus riche pour les autres. Donc voilà, en fait, je pense que je suis accro, on peut dire ça comme ça. Mais voilà, c'est surtout la curiosité qui m'a poussée vers l'interculturel et l'international. Bah, merci pour votre réponse. Et les autres personnes qui interviennent sur le chat, c'est pour vous remercier pour cette conférence et pour la qualité de ces 2 heures passées ensemble. Donc merci encore. Et vous pourrez retrouver l'intervention en replay si vous voulez réécouter nos 2 intervenantes vous parler d'interculturalité. Merci, au revoir. Au revoir et bonne journée.